Salam tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Art Matin. Alors aujourd'hui on va parler poésie, le chant des mots. Oui, la poésie est ce genre littéraire qu'il faut absolument avoir pour réchauffer le cœur, pour se sentir nostalgique. Et aujourd'hui on va parler de ce recueil de Khadija Sall, Silence d'humanité. Nous allons commencer notre émission par une petite présentation de l'auteur. Alors, Khadija Sall, née le 15 janvier 1997 à Sintio Bamambé, Khadija Sall a grandi à Cambérène. Détentrice d'une licence en journalisme communication d'une université privée de Dakar, elle a été lauréate du prix du concours de la francophonie Eslam en 2014 et finaliste du concours international Graine d'artiste du monde entier. En juillet 2020, elle est membre du collectif Parlons Poésie. Elle est aussi présidente du collectif des Coups de Verre, jeune auteur, poétesse et slameuse avec Silence d'humanité. Elle signe son premier recueil de poèmes. Alors, nous en venons à ma partie préférée, c'est-à-dire le livre proprement dit. D'accord ? Dans ce recueil, Khadija Sall rend un hommage à la femme. Tout au long du livre, on va retrouver des poèmes aussi beaux, sensibles, toujours parlant de la femme. Cet être relégué au second plan selon les conditions humaines et tout, je ne vais pas m'attarder sur ça. Mais l'hommage à la femme, à sa mère, à la condition humaine en général, à l'enfant, rend ce recueil merveilleux, accrochant, et j'invite vraiment tous les amoureux de la lecture à s'en procurer. Il est magnifique et vous plongera dans un monde féerique. Nous allons terminer notre émission par une petite déclamation d'un des plus beaux poèmes, moi, mon préféré. J'en dis pas plus. Écoutez-moi avec le cœur. Et surtout, avec la tête. Je me lance. L'épice la plus rare dans la marmite du monde. Je suis femme. Je suis flamme. Je suis femme. Je suis facteur de développement. Je suis fille de la lumière. J'ai une longue carrière. L'amour ne sera pas une barrière. Je retournerai jamais en arrière. Je viens de là où le soleil brille. Je viens de là où les oiseaux chantent au petit matin. Je viens de là où les vagues tombent doucement. Je suis celle qu'on annonce à haute voix. Je suis une guerrière. Je ne suis pas une cachotière. Je suis forte, on me compare à la lionne. Je suis unique, je suis la panthère. Je ne pleure jamais, même si je subis dans le fond. Je suis cette rose avec sa bonté. C'est de mes entailles que je donne pour que naisse l'homme éternellement. C'est de mes seins que je donne pour que l'homme tienne debout. Que ce soit au pays des samouraïs, que ce soit au pays de l'oncle Sam, que ce soit au pays de Napoléon, que ce soit au pays de Léopold Sédar Senghor, la femme reste et demeure la mère de l'humanité. La femme est et sera toujours cette créature d'une grande habileté. Je suis femme. Je suis flamme et j'en suis fière. Ô femme, celle qui nourrit les enfants. Ô femme, celle qui a su toujours réconforter les souffrants. Ô femme, celle qui a su toujours garder son calme. Ô femme, celle qui sait se battre sans armes. Ô femme, source de paix. Ô femme, synonyme de patience. Avec tes mots, faits et gestes plus graves qu'une épée. Tu as su redorer le blason de l'harmonie en Afrique, tel Aliou Sité Diata. Laissez-moi citer Mame Diarra, femme modèle, femme responsable. N'oublions jamais de nous référer à Talaata Ndiaye Diallo. Hommage à toutes les Walo Walo.